Coucou, j'espère que vous allez bien. Vous avez du soleil, nous il fait très chaud. Voilà, je suis allée Action Inose. Inose, j'ai pas trouvé grand-chose. J'ai trouvé une bobine de raffia rose. Je voulais trouver couleur ficelle, mais et je trouve ça bien parce que ça va économiser un peu le ruban quand on fait des tags pour mettre dans le trou. Et en plus, on peut le déplier. Voilà, on peut le déplier et faire, je sais pas moi. Sur un projet, on peut poser sur un carton. Voilà. J'ai trouvé les dailles. Alors, je l'ai pris pour le lapin et je suis extrêmement déçue. Là, c'était pour 3,99 € et ici 1,20 €. Donc, j'ai fait les découpes. Et je ne trouve pas l'intérêt de faire la découpe complète pour le reconstituer. Tout se détache, mais il faut le reconstituer. C'est-à-dire que vous avez une première découpe. Allez, ah bah c'est emboîté, elle ne veut plus déboîter, elle. Ah bah non, je l'ai collé, lui. Je vais vous faire voir sur la grenouille, par exemple. Voilà, la grenouille, tout se découpe. Tous les petits morceaux. Alors, attendez. Voilà, vous avez la première partie qui est pleine. Celle-ci. Après, vous avez la grenouille. Tous les petits morceaux qui sont à l'intérieur, comme ça par exemple, bien, quand vous reposez votre grenouille, il faut remettre tous les petits morceaux dans les trous. Donc, franchement, je vois pas l'intérêt de les avoir découpé. Le lapin, c'est pareil, hein, donc il est moche en plus. Le lapin, c'est pareil. Vous découpez, il faut tout reconstituer. Voilà. Vous avez un petit morceau de la tête. Vous avez un petit morceau des pattes. Voilà. Donc, en plus, le lapin, il est vraiment moche. J'aime pas du tout. Donc, c'est un 6X, hein. Vous allez me dire pour le prix, 3,99 €. Mais là, franchement, non, c'était pas un bon achat. Ensuite, je suis allée chez Action. C'est tout ce que j'ai trouvé à Noz. Les 6X, les grands, les machins, il n'y en avait pas. Il n'y avait que celui-là. Donc, j'ai pris celui qu'il y avait. Ensuite, j'ai trouvé les blending. Donc j'avais déjà acheté ceux d'avant là de chez Action, donc j'en ai sorti un. Ça c'est les anciens, mais le problème quand on remet le tampon ovale là, et eh ben il ne colle pas partout, alors que le celui qui est vendu là, j'arrive à sortir. Le scratch, il fait tout le rond. Alors, on va l'enlever. Voilà. Le scratch, le nouveau, il fait tout le rond. Et les anciens, c'est juste un petit. Donc je vais essayer de me trouver du scratch plus grand pour
pour enlever celui-là et le changer. Parce que sur celui-là, bah, ça breloque. Et celui-là, il est pile poil, il est bien maintenu. Voilà, donc je vais faire un petit essai avec vous. J'ai pris ma plaque. Là, je vais prendre une encre. Donc j'avais essayé hein, déjà. Hop. Je voulais trouver le die bulle là, mais il n'y avait pas. Donc apparemment c'est pas mal, mais bon, moi je sais que je me sers beaucoup de mes petites brosses. Alors la différence. Là, donc ça c'est avec celui-là et ça c'est avec ma brosse. Bon, c'est un peu plus prononcé avec la brosse, mais bon, ça fait son job. Ensuite, retirer. J'ai trouvé une petite perforatrice fleur. Et ma perforatrice fleur, hop. Voilà, ça fait des petites fleurs comme ça. Donc on les embosse. Moi je les embosse avec, il va falloir faire du rangement parce que là c'est vraiment le bazar. Je sais pas où j'ai mis. Je vais prendre ça. Hop. Tchou. Allez, hop. On tourne bien. Et voilà. Petite fleur. Elle est embossée. On n'a plus qu'à mettre une perle au milieu. Ensuite, j'ai repris du masking tape. Ça sert beaucoup de ça. J'en avais presque plus. J'ai repris du double face. Bien pratique, ça va vite. J'ai trouvé du fil de fer. Alors c'est du 1,5. J'aurais bien aimé trouver du 1. En plus, dans les couleurs, bah, tout ce qu'il y avait. Moi, je me sers de ça pour mes bijoux. Et ben. Donc, je ne sais pas si il est bien maniable. Allez, on va sortir le bout là. Oh, si, ça travaille bien quand même, ouais. Ouais, je vais faire un anneau. Ouf. Il est dur, hein. Il est dur, il est dur. Il est bien dur. Normalement,
Le 1. Le 1, il se travaille mieux. Il est dur. Enfin bon, j'arriverai à me débrouiller avec ça. Ensuite, j'ai trouvé un tampon parce que je cherchais les tampons. Je cherche le tampon avec la grosse fleur, là, le gros bouquet de fleurs. J'ai pas trouvé. J'ai trouvé ceux-là. Ce sont des chats. Bon, on ce qu'on trouve. Hein. Ensuite, j'ai trouvé les. Alors, c'est pareil. Les pochoirs. Hein. Donc, c'est que des mangas. Hein. Mais avec celui-là. Les autres, il n'y en avait pas. Enfin bon. Il y a plusieurs sortes. Moi, je m'en sers surtout. C'est pour ma pâte polymère. Faire des empreintes sur la pâte. Voilà. Et j'ai trouvé 3 dyes. Alors, j'ai trouvé celui qui a le petit renard. Donc je l'ai pris pour le petit renard, pas spécialement pour le complet. Donc j'ai fait une découpe de mon petit renard qui est là. Je l'ai fait sur du papier craft. Voilà. Donc, bon, on peut se servir des feuillages, hein, des petits oiseaux. Il y a, ouais, l'herbe. Enfin, c'était surtout pour le renard, moi, que j'ai pris. Hein. Ensuite, j'ai trouvé celui-ci, qui est sur le fond marin. Donc, il y a la tortue, les algues, les coraux, les petits poissons. Donc c'était surtout pour ça. Le fond, pas vraiment, mais bon. C'était surtout pour les algues, les petits coquillages. Voilà. Donc moi, j'ai fait ma tortue. Qui est là. Donc la tortue, vous avez une première découpe, c'est le fond. La deuxième, c'est la carapace où les petits morceaux s'en vont. Et moi, j'ai remis les petits morceaux dessus. Voici ma tortue. Oups. Voilà ma petite tortue. Et j'ai trouvé celui-ci. C'est le gâteau d'anniversaire avec les fanions. Là, il doit y avoir une fraise, je sais pas. Enfin, c'était surtout pour les numéros. Parce que je n'avais pas de numéro. Alors attendez. Comme j'ai fait des découpes. C'était pour les petits numéros que j'ai mis là. Parce que j'ai les lettres. J'avais acheté sur Tonton Ali les lettres. Mais je n'avais pas de numéros parce qu'ils sont sortis chez nos. La planche de numéros. Ils sont sortis, mais je ne les ai pas trouvés. Donc, j'ai pris ça pour les numéros. Et puis, bon, ben, gâteau d'anniversaire hein, pour une carte. Donc, moi, en plus, les petits numéros, ben, j'aime bien. J'aime bien, ils sont petits. Ils sont tout petits, petits. Ah oui, dans celle de. Alors, attendez, je ne dis pas de bêtises. Où il y a le renard, il y a le petit lapin et le faon. Vous avez fait une découpe du faon. Très bien. Et du petit lapin ici. Trouve trop joli, trop mignon. Voilà,
Et ben c'est tout ce que j'ai trouvé. C'est tout ce que j'ai trouvé d'intéressant. Je recherchais le grand dail là avec les bulles. Il n'y avait pas. Je recherchais du papier vellum. Il n'y en avait pas non plus. Donc c'était vraiment des petits achats. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et vous dire à bientôt. Bisous, bisous.